Et après ça, on va faire les terrains annexes. Some more sleep. Maybe I'm overworking. Défense d'esprit de l'Alliance, je sais pas ce que c'est. Comment je mets un truc? Ah voilà. Foudre, puissance d'attaque, durée de bonus, gain d'esprit en parent, consommation d'esprit, restauration de PV, genre en continu. Gain de la jauge d'animal totem. Endurance de faille. Peut-être, ouais. Alors, on va dire ça comme ça. Décorer, récupérer, vendre. Non, bon, ça devrait le faire. Voyager, du coup, partie 2, il nous restait l'hirondelle. Les bandits de Aeshan sont répartis sur toute la montagne, ils ont semé le chaos tout autour de la commanderie. Sont en train d'augmenter leur force en incorporant ce qu'il reste des turbans jaunes après la révolte manquée. N'empêche, moi je pensais qu'on aurait le turban jaune pendant tout le jeu. Deux premiers chapitres, c'est bon, c'est claqué, on passe à autre chose. J'aurais dû me renseigner. Un peu dommage. Ouais, je trouve aussi. Oh, il est là. Je te cherchais justement. Thank you.
On repousse comme on peut. Hein. Sans pour l'instant, je fouille la zone. Et quand on l'aura fouillé, vidé, on ira. Avant d'affronter le boss, on ira se reposer à l'unique feu de d'ici, apparemment. Et puis ensuite, on courra le rencontrer. J'avais pas réalisé que c'était un ennemi avant de le coller. Ces trucs là ici. On a raté. Petit frisson. On a raté un loot là-bas. Ok. Ah oui, par contre, le problème, c'est que c'est pas un boss dans une instance. Il est tout seul. Il est pas tout à fait tout seul, d'ailleurs. Bien parce qu'on a les mêmes armes, le même moveset. Fanatics. I surrender. I'll swear loyalty to the Imperial Court. Alors justement, il y a des problèmes avec la cour impériale. Cuir de rang 3, gantelet de commandement, chaussures, masque de sorcier. Ok, cool.
à faire une petite pause et puis on se retrouve dans 10 minutes. Donc à 40, 45, on va dire. À tout de suite. Alors, voyager. J'ai pas fait gaffe à ce qu'on a looté. Je crois qu'on a eu un torse assez cool. Enfin, en tout cas, qui avait l'air assez cool. Ah, bonjour. Demons again. Let's take care of them before they get to the village. Résistance pierre, réduction des dégâts à distance. Ça peut être intéressant, mais c'est pas les bonnes résistances. Chambière de sorcier, ça peut être cool. Dégâts d'esprit. Essayer. Nah. Je préfère rester dans ma limite A. Je sais que du coup on est plus fragile, mais bon. Vous avez reçu les objets suivants. Tasse de camaraderie x3. Ah, genre tu peux t'en équiper? Ok. Ok, cette zone-là sera un petit peu plus grande. Draconique, c'est le truc qui me... Ouais, voilà. Faut que je vois si on peut en acheter d'ailleurs de ça. Non, on peut vraiment pas acheter grand chose. D'avoir une canne de tout.
Pardon. Cimetière de bandits montés. Oh tiens, c'est sympa. Vaguement plus efficace que la lance. Merde, je peux pas mettre en pause. Ok, cool. Je suis quand même curieux d'essayer Nioh après ça. Il paraît que Nioh est meilleur en termes de design de boss. Ah oui, j'ai oublié ma bouteille d'eau. J'arrive. Mais ce qui est sûr, c'est que si on teste Nioh, ce sera dans un bail. Ok. Ah, des araignées, pas ah, super. J'adore les araignées. Salut l'outre, c'est bien ce jeu. Le début était très chouette. Le design des boss devient un petit peu bordélique.
Donc voilà, et techniquement c'est pas la joie. Genre, ah tiens, on a pas vérifié, mais j'y ai joué samedi soir, et samedi soir on avait un des écrans de menu qui faisait planter le jeu. Si t'as le Game Pass, fonce, essaye-le. Si t'as pas le Game Pass, reste et regarde un petit peu. Ouais, on va retester le menu après cette zone. Pareil, si t'as pas accroché à Sekiro, ça va pas le faire. Bon, le bon côté, c'est que après avoir fait celui-là, je sais que je peux tester Sekiro. Rester, regarder un petit peu. Ça me va. T'avais fait les Nioh. Nioh 1, j'ai préféré Sekiro. J'ai préféré Sekiro plus à Nioh pour le coup. Ok. Est-ce que t'as le... Alors j'ai pas joué à Sekiro, donc il se peut que je me trompe, mais t'as le même système de tempo et de rythme et de contre, ce genre de choses. C'est que quand tu te fais vraiment dépasser, tu peux te cacher derrière ta parade quelques secondes pour souffler avant de le faire casser et retourner au charbon. Ouais. Alors, néné, pas grand chose. Je sais même pas à quel niveau on est. J'ai vu que la zone où on est censé être recommandé au niveau 29, je suis
Pas certain qu'on est au niveau 29? Ok, si, on est au niveau 29. I could use some more sleep. Maybe I'm overworking. Et ça c'est cool. On y retourne. Je sais plus, t'as une belle machine, l'autre ou pas? Ah, attends, hop, j'ai oublié de faire un truc. Alors, retournons sur le menu. Maintenant, oui. Ok, bon, bah, t'as déjà pas ce souci-là. T'auras, si jamais tu t'essayes le jeu et que t'as un peu de stutter, t'as une option graphique à désactiver. Enfin, avec un peu d'espoir, ils auront patché d'ici là, mais. Alors, c'était dans paramètres du menu. Ah. Ah, ça crache plus. Ok. Donc samedi soir, tu vois, quand j'étais là-dedans, que j'allais sur la deuxième page, bam, ça plantait à chaque fois. Ce qui est quand même problématique, hein, puisque dedans t'as les apparemment la taille de police, tout ça, enfin de l'accessibilité quoi. Quand un jeu sorti en bon état, bah, je veux dire c'est comment il s'appelle déjà, enfin cet éditeur-là c'est réputé pour ça. Mais ouais, l'année a été compliquée, enfin la fin d'année dernière et ce début d'année s'annonce compliqué. C'est dommage parce que c'est, enfin, outre l'aspect technique, c'est souvent des très bons titres. Ou au moins des titres très corrects. Là, sur celui-là, le gameplay est cool. C'est vraiment plus les boss complètement bullshit pour ça qui te balance quoi. Ouais non, mais ça me surprend pas. Ah, je l'ai eu.
tu vois, t'es censé te servir de ces des attaques rouges comme ça pour faire un gros contre-critique. Mais un peu fatigué. Oh, oh, c'est joli ça. Je t'ai vu tout nu, le jeu. Avoir par le punch up. Non mais il y avait des soucis au lancement sur Hogwarts effectivement. Il n'y avait pas que des problèmes de perf, mais bon. Il faut au moins régler les problèmes de performance du jeu. Qu'est-ce qui est capé à 30 acta? Merde. Et 40 sorts avec les mêmes réglages. Il y a plus de... Enfin, à moins que... À quelques exceptions près, hein, il y a plus de jeux capés à 30 FPS acta. Il y a des jeux avec des cinématiques capés à 30 FPS, comme celui-là. Toutes les cinématiques sont en 30. Mais sur le jeu, il y a jamais. Presque. Le problème quand tu fais un jeu qui est basé sur un système de contre et tout ça, c'est que ça marche très bien en 1v1. Contre un groupe comme ça, beaucoup moins. Ah, j'ai oublié d'invoquer un deuxième allié d'ailleurs. Bon, c'est pas comme si ça va faire une grosse différence. Même dans les jeux qui viennent de console. Dans les jeux qui viennent de console, maintenant t'as souvent deux réglages. Si jamais il est capé à 30 FPS, ça va être sur un réglage graphisme ultra, genre 4K. Ou alors t'as un mode perf qui est toujours en 60 FPS. Mais j'en parlais tout à l'heure, je sais pas si t'étais là, de nos jours. Si tu joues la plupart des jeux classiques, t'embête pas à prendre un PC, prends une console. T'auras des perfs qui sont aussi bonnes voire meilleures à un prix bien moindre. Le problème c'est que ma perte fait quasi toujours en 1080p, donc si t'as une TV 4K c'est 8 pixels.
Ouais, mais en même temps, si tu regardes les... Si tu regardes les stats Steam, la plupart des joueurs Steam sont toujours en 1080p. Les consoles pour en acheter plusieurs? Non! Non, c'est pas vrai, t'achètes des consoles aussi souvent que t'achètes un PC. Pour avoir des performances au même niveau. Moi perso, passant sur mon ancienne config, passant en 1440, ça a été une erreur. Très bien, c'est plus épais. C'est où, Kao? C'est là. Désolé, hein, je suis un peu pas trop concentré sur le chat. On disait. En parlant de ça, je regrette un peu mon écran 2K car c'est beaucoup de sacrifices de faire sur PC pour pas tant de différence. Ouais, c'est ça. Dire, moi, le plus gros problème que j'ai eu, c'est au niveau de certains wargames qui sont pas du tout faits pour 1440. Ah, punaise. Mange-lui la tête avant qu'il mange un morceau. You are... What... What is the meaning of... Wait... Just wait. What is it you desire? Your riches... Treasure... Women... Oh... I know... Les jeux consoles coûtent assez cher. The elixir, yes. I'll give you half of all... Pas tant que ça par rapport aux jeux PC maintenant. L'écart se réduit. With all this, et t'as des offres comme Game Pass. I can finally forge an empire to last a thousand years. C'est vraiment une question d'habitude de consommation. Looks like someone got here before us.
This will bring forth a new wave of chaos on the land. Moi, je déménage. If this is what has been destined, so be it. I shall just have to fight tooth and nail until the flames of chaos are quelled. I shall not allow my status as a mere advisor to hold me back any longer. The House of Han is on its knees. It no longer has the power to unite the nation. Oh. That is why. I, Xiao Xiao, shall bring down the evils of old and bring peace and prosperity to the land. What is needed now is a tactical mind unimpeded by morality. If you wish for an ally to walk beside you through the ravages of war, simply call upon this unscrupulous hero. For like Ju Chue, we shall soar through the sky engulfed in righteous fire. Quasiment sûr que je préfère mes pistoles qui soignent, mais c'est cool. War is upon us. I must leave the capital and begin preparations. Meng De, we are always at your service. Looks like it's finally time for our men to get to work. Par contre, y a pas à dire, quand tu galères sur un boss, tu changes d'instance, tu tapes 2-3 autres bestioles, tu reviens, ça marche mieux. Petit caillou de ki, chapeau de soldat Han, armure de soldat Han. Cool. On a retrouvé 2 gardes du corps dans Star Wars. Quel garde du corps? Les petits vers... Ah, les Gamoréens dans le livre de Boba Fett. The secret of Tiens, l'autre, t'en es où d'ailleurs de Star Wars? Was taken by Zhang Rong with him to his grave. Elsewhere, Dong Zhuo, a man whose ambition outweighs his conscience, brought the capital to its knees by force. Both Yuan Shao and Cao Cao suspected him to be connected to the elixir and forged a plan to bring him down. These two great eminences lit the way and drew many together. They amassed a colossal force comprised of 18 separate armies to stand against Dong Zhuo. Ça va, il a compris que son nouveau pote était pas net dans le Montantis. Et d'ailleurs, j'avais pas réalisé, mais le Montantis a été canonisé maintenant. Non, je te réponds après la cinématique, Jen. Benchu. Ouais. Victory is within our grasp. Men, the
time has come to make Dong Chuo pay for his tyranny! All units attack! Non mais c'est moi, je suis personnage principal, tu me reconnais pas. Oh, ça a craché? Ça a craché. Yay! Le mont Tantis, ou Tantris, je sais plus. C'est une montagne qui apparaît dans la trilogie Throne, qui est une espèce de dépôt de technologie impériale avec plein de chouettes jouets dedans. Et le mont apparaît dans The Bad Batch. Je crois qu'il apparaissait saison 1 d'ailleurs. J'ai juste pas réalisé que c'était la même montagne.